Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath of the Righteous. Alors, on avait le Vrock à tuer et chercher l'autre gars. Et après, on ira faire un truc, parce que vous savez que je l'ai dit, que, que je m'étais plantationné, ce que j'avais pas mis, érudition mystère à ce personnage, ici. J'en avais pas mis assez. S'il lui faut 5 points. Et j'ai dit, c'est pas grave, alors un niveau de retard. Mais non! Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le monsieur qui respect. Je m'en suis souvenu, juste après avoir dit ça. Et donc, on passera au cœur du défenseur, respect le perso. On verra d'ailleurs qu'est-ce que ça nous permet de faire, la respécialisation, je vais y arriver. Des persos. Bonjour monsieur. Les yeux d'un jeune homme vous regardent à travers son énorme casque. Maintenant que vous voyez de près, il est évident que l'armure est trop grande. Elle est dépareillée, le casque est particulier et de piètre qualité. Excusez-moi, j'ai remarqué votre châle. Dois-je en déduire que vous êtes un ami d'Aranka? Quelle question. Bien sûr que oui. Et donc? Et donc, je suis Jackie Lafritte. Ah, et donc des gens viennent te casser la gueule. De type Ulrune. Adepte Tal du temple de Desna, vous êtes en état d'arrestation, vous êtes soupçonné de trahison et de collaboration avec les démons. Si vous avez une minute pour vous rendre sans faire d'histoire, si vous n'obtempérez pas, nous considérons que vous cherchez à faire entrave à la justice. Et voilà le traître qui a bien failli corrompre la pierre de garde avec sa magie. Vous ne pensiez tout de même pas que le chaos et la présence des démons dans la ville nous empêcheraient de poursuivre les renégats de votre acabit. Ulrune, ta gueule. Les démons scènent le chaos, l'heure n'est pas au règlement de compte. Vous n'avez aucune raison de persécuter ce pauvre garçon, je ne tolérerai pas un abus de pouvoir. Vous qui détenez le don du paradis, vous prenez partie du criminel conspirateur. Dans sa juste colère, le paradis connaît aussi la clémence. J'ignore pourquoi vous faites obstacle à la justice, mais je ne souhaite pas déclencher une lutte entre les guerriers vertueux de la déesse alors que le péril nous guette. Que ce vaurien de Desna fiche le camp, il peut aller où bon lui semble, tant qu'il reste hors de ma vue. Une fois que nous aurons libéré la ville des démons, je veillerai à ce que ces petits protégés de Ramien soient chassés de Canabre, comme tous les charlatans de ce genre au demeurant. Venez mes fidèles, nous n'avons plus rien à faire ici. C'est tellement injuste. Nous voulions protéger la ville des démons. Et au lieu de nous aider, les inquisiteurs se sont mis en tête de nous traquer. Le prélat Ulrune nous mènera tous à la mort. Et personne ne peut l'en empêcher. En tout cas, je vous remercie. Je n'en serais pas sorti vivant si vous n'aviez pas été là. Tout cela est de votre faute. Vous deviez forcément tirer les foudres de l'inquisition. L'inquisition pousse sans elle trop loin. Je ne regrette pas de vous avoir sauvé. Exactement. Avec Ulrune, comment envisager un procès en bonne et due forme? Sans votre aide, j'aurais été torturé et mis à mort. Malgré cela, j'ai des regrets. Je crois que nous sommes allés trop loin en essayant d'atteindre la pierre de garde. Et nous n'avons même pas réussi à sauver qui que ce soit. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me rendre au temple de Desna. J'aimerais être seul avec la déesse. Très bien. Donc, on peut retourner maintenant au temple de Desna. Merci. Qui est là... Qui est où? D'ailleurs. Là-bas. Voilà. Et pour ça, on doit passer ici, par ici, hein, au niveau du vrac, du vroc et de cette saloperie de bestiole. Donc, on va y aller, parce qu'on a, level up. Donc, voilà, on va regarder, voir si on peut lui casser la bouche. Voilà, et en même temps, on va sauvegarder. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je voulais voir? Est-ce que j'ai eu un nouveau pouvoir du paradis? Non, hein. Si, peut-être ça, non, lumière des anges, c'est toujours le même. Alors, je me suis pas reposé, donc on n'a pas les sorts plus, mais bon, c'est pas si grave que ça, hein, on verra. De toute façon, s'il nous lave le cul, il nous lave le cul, hein, le vroc, donc bon. Voilà. Alors, il est là. Alors, on sait, la seule et unique héroïne de cette histoire, c'est Yuki. Voilà, parce qu'elle peut défoncer tout le monde facilement. Vu qu'elle s'en fout des défenses magiques. Il a pris cher? Il a pris combien? Bon, il a pris que 6. Mais c'est déjà pas si mal. Est-ce que tu peux l'atteindre? Oui. Voilà, il a déjà pris 8 de dégâts. Et ça, c'est déjà pas si mal.
Calista, alors. Voilà. Est-ce que tu peux. Non, tu peux pas l'envoyer, mais tu peux toujours te déplacer. Voilà, tu vas te déplacer là-bas et tu vas. On va balancer de la boule de neige. Hein. H, c'est une archère. Elle pourrait tirer. Bah, elle va tirer sur le Vrock pour voir si elle lui fait des dégâts. Un point de dégâts, c'est déjà pas si mal. Nous, on va se déplacer. Voilà. Le scolopendre. Voilà. Alors. Ah oui, notre palouf. Qui joue en dernier, évidemment. Parce que c'est un paladin et donc c'est lent comme un cul. Bravo. Donc là, il fait son cri à la con. Tout le monde a résisté? Bien. Allez hop. Fait combien? 21 points de dégâts au Vrock. Mange ta maman. 32 points de dégâts au Vrock. Mange ta maman. Encore une? Allez, vas-y ma petite Yuki. Boum! Voilà, encore un petit 13. Voilà, voilà. Là, il se sent pas bien là le Vrock. Hein. Ah oui, maintenant que le Haka il a compris comment te casser la bouche. Mince. Eh bien, il va te casser la bouche. Parce que tous les autres, là, on peut les tuer facilement. Même lui, il va nous casser la bouche, mais c'est pas très grave. Voilà, l'air élu, il a pris un coup, une attaque d'opportunité, c'est pas très grave. Ok, à nous. Bagan, boum, petit coup d'épée. Voilà, alors, refais une triple attaque, s'il te plaît. Voilà, bravo, coup critique à 5, j'adore. Aïe. Oh là là, oh là là, toutes ces esquives. Petite boule de neige, allez. Bon, maintenant on n'a plus que tous les autres petits cons à casser, hein. Mais ça devrait le faire. On va y arriver. Alors, regarde-toi. Boum. Voilà, nickel. Hop, Yuki. Tu dois faire deux pour le toucher, le tuer. Et tu arrives à faire un, espèce de naze. Bon, si on perd ce combat, on se souviendra que c'est de la faute de Yuki. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Non! Pas mon scolopendre! Je vais tellement te casser la bouche, ordinateur! Non! Il continue à la tabasser alors qu'elle est au sol, bande de salauds! Elle! Petite flèche d'acide, tiens, sur lui. Boum! Ah, deux points de dégâts, bravo! Ça, c'était du talent. Ça touche ça? Ah mais attendez. Ah ouais mais là ça touche tout le monde en fait. Donc c'est un peu le bordel. Ah peut-être pas faire ça. Tiens, tue le Drecht. Voilà, le Drecht est mort. Très bien. Ah oui, non là je bombarde. Hein. Voilà. Maintenant que j'ai compris que ça passait. Que la boule de neige leur cassait la bouche facilement. À tous ces petits cons. Oui, voilà, boum. Eh hey non. Salaud. Heureusement qu'il y a les portes de la mort. Eh hey, t'as pas le droit de taper Yuki. Moi, je te l'interdis. It's forbidden. Bravo, un point de dégâts. Bravo, deux points de dégâts. Alors. Bon. Rapiérisation de l'ennemi. Ah oui, mais non, mais on devait... Voilà. Ah bah si, ça déclenche des attaques d'opportunité, on a la preuve maintenant. Très bien. Ah oui, sinon ça aurait été un peu trop pété. Elle est déjà assez pété comme ça, quoi, la madame. 12 points de dégâts? Pourquoi? Il a essayé de manger le brutapode. Il a essayé de manger le scolopendre. Salaud! Brûlez-le en enfer! Tu vas mourir brûlé par le froid, moi je te le dis. Allez. Victoire, nous avons tué le Vrock. Voilà. Ha ha ha! Maintenant que j'ai compris qu'on a des persos pétés, eh bien voilà, c'est comme ça qu'on fait. Une épée longue, bien, 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 bien. Bon, la mobilité ici, c'est pour se transporter de l'autre côté, on veut pas le faire forcément. Ben voilà, on n'a pas si souffert que ça. Allez hop, on va soigner tout le monde, voilà.
Alors, Yuki, est-ce que tu pourrais soigner... Voilà, Jacquelinette. Merci. Et est-ce que tu pourrais soigner... Bah non, Calista, ça va, elle a tous ses PV quasiment. Bah voilà! Voilà, alors on va sauvegarder quand même, parce que, au cas où, il y aurait des mobs qu'on n'aurait pas vu venir et qui auraient popé. Et allons au temple de Desna. Temple de Desna, il est là. Allez hop, on y va. Ah, ça fait du bien de lui avoir cassé la bouche à ce vrog de merde. Voilà. Après, on a le temps pour aller respect notre perso, donc je pense qu'on ira le respect après la tour d'Estrode. On verra, je verrai qu'est-ce qui est le plus court. Bonjour! Ah, mais là, on n'avait pas volé ça. On n'a pas tout volé. On n'a pas tout volé dans le temple. Non! J'étais venu dans le temple? Je ne sais plus. Ilx. Parlons, Ilx. Tiens, voilà notre sauveuse. Ravie de vous revoir. Venez vous asseoir avec nous, punaise. Je vais y arriver. Il est bon de vous voir tous sains et saufs, mais nous avons encore du pain sur la planche. Avec plaisir. Ce délacé ennemi ne fera pas de mal. Nous avons décidé de vous faire un cadeau. Un cadeau très spécial que nous n'offrions à personne d'autre que celle qui a risqué sa vie en notre nom. Celle qui s'est dressée non seulement contre le mal, mais aussi contre l'injustice déguisée en loi. Notre cadeau est une chanson. Elle s'intitule « Les yeux dans les étoiles » et elle nous vient des véritables serviteurs de Desna de son domaine de l'Elysée. Cette chanson peut imprégner l'âme d'une vitalité nouvelle. Écoutez-la s'il vous plaît. Écoutez en silence. Libérez votre âme, chantez avec nous, je veux être sûr que vous vous souvenez de cette chanson. Lorsque la musique s'arrête, elle se retrouve dans un endroit qui n'a rien à voir avec les ruines de Kenabre. L'espace d'un battement de cils, elle a abandonné son monde pour un autre complètement différent. La pénombre d'un crépuscule délicat enveloppe les environs éclairés, ça et là par des faisceaux de clair de lune. Yuna se tient dans un ruisseau qui s'écoule doucement dans les profondeurs d'une forêt. Il n'y a personne d'autre. Des plantes grimpantes qu'elle ne reconnaît pas s'enroulent autour des troncs d'arbres gigantesques. Des branches et des colosses pendent des lianes tressées qui ressemblent remarquablement à des balançoires. Un tapis d'herbe parfumée s'étend au pied des arbres, dont les racines sont parsemées d'îlots de mousse et de lichens phosphorescents. De petites pierres lisses, à la surface étrangement réfléchissante, jonchent le lit du ruisseau dans lequel se tient Yuna. À la lueur des cieux qu'elle reflète scintille d'un éclat argenté et donne l'impression que ce petit cours d'eau ordinaire est un flot de ténèbres emportant une poignée d'étoiles dans la nuit. Yuna a beau être persuadée de n'être jamais venue ici, l'endroit lui semble incroyablement familier. Il s'agit d'une manifestation. Non des rêves ou des fantasmes, mais de cette vision du monde bien particulière qui est propre à l'enfance. Cet imaginaire où le reflet d'un morceau de verre devient une étoile filante, où la pierre de forme singulière est un artefact légendaire, où chaque ombre, chaque détour du chemin promet un mystère ou une aventure extraordinaire. Un simple regard, un ruisseau permet à Yuna de retrouver cette sensation. Et maintenant qu'elle a pris conscience, elle se met à suivre le ruisseau d'un pas tranquille en contemplant les environs. Yuna suit tranquillement le ruisseau aux courbes pittoresques qui traversent la forêt silencieuse. Cet endroit lui évoque une étrange sensation de... pas de calme, non. Plutôt l'inverse, une sensation d'impatience et d'anticipation à l'idée de faire d'incroyables découvertes ou des rencontres inattendues. En fait, ce n'est peut-être pas le lieu qui est avant la cause. Mais cette soif éternelle, ce désir de nouvelles expériences qui réside dans le cœur de nombreux mortels. Quoi qu'il en soit, juste après un énième détour du ruisseau, Yuna fait effectivement une rencontre inattendue. Elle approche sans essayer de se cacher, en marchant d'un pas léger sur le tapis de mousse, en sautant de branche en branche ou en voletant dans les airs. Les créatures sont surprenamment bizarres, comme si elles avaient été conçues pour éprouver la raison de tous les naturalistes de la planète. L'une d'elles porte des ailes de papillon sur son dos, une autre est dotée de queues d'une douzaine d'animaux différents, tandis qu'une troisième a l'eau
ruisselante en guise de chevelure, des sabots à la place des pieds et la peau couverte de trèfles. Nous avons de la visite, s'exclame l'une des singulières créatures. Puis elle se met à courir dans le ruisseau en faisant jaillir des gerbes d'argent à chaque foulée. Où suis-je ? Ignorez-vous où nous sommes ? Demande la créature sur un ton étonné. Il existe des plans d'une beauté renversante et d'autres qui regorgent de splendeurs inimaginables. Mais seule l'Élysée est née du désir de beauté et de l'envie de croire aux merveilles. C'est ici que vous vous trouvez, dans un coin des plus paisibles et des plus fantastiques du plan de la liberté infinie. Et qui êtes-vous ? Ignorez-vous où nous... Nous sommes des Azathas, les enfants de la liberté, explique l'une des créatures en se balançant d'une branche avec insouciance. Cette forêt est notre foyer. Pour aujourd'hui ? Demain, nous habiterons un lac à 1000 lieues au sud, ou une grotte sous-marine dans l'océan d'azur, ou un château de nuages qui se disperse dans la brise du matin. Comment suis-je arrivé ici ? Nous ne savons pas comment vous êtes retrouvé ici, déclare la créature aux douze queues en souriant. Il est rare que les mortels viennent à l'Élysée de leur vivant. Mais puisque vous êtes là, il y a forcément une chose qui vous a amené jusqu'ici. Une chose dans votre âme. Si elle ne recelait pas la moindre étincelle de liberté, de désir ou de compassion, vous n'auriez jamais trouvé cet endroit. Maintenant que vous avez vos réponses, dites-nous, que voulez-vous ? J'aimerais pouvoir rester ici pour toujours. La créature aux ailes de papillon qui est jusqu'ici restée silencieuse lance un regard sérieux à Yuna et hoche la tête. Je sens les flammes, le sang et les larmes de l'endroit d'où vous venez. Ces odeurs s'accrochent à vous. Vous avez soif de beauté et de liberté. C'est une bonne chose, mais les âmes destinées à l'Élysée ne tournent jamais le dos à la souffrance et au conflit. Vous devez retourner d'où vous venez, pour le moment en tout cas. Cependant, aimeriez-vous emporter un souvenir de cet endroit ? Un instant de silence, puis suit la question. Bien que les paroles prononcées ensuite par Yuna soient de simples mots, ni un sort, ni une orbe, ni un ordre aboyé à des troupes dociles, elle semble porteuse d'un pouvoir similaire sur le destin de la vie. Oui, j'aimerais beaucoup. Les Azathas se rapprochent. Partez avec ce souvenir, cette lumière. Partez en sachant que chaque galet touché par ce rayon de lune peut rivaliser avec les étoiles. Partez en comprenant que vous ne pouvez ourdir des plans rusés contre le mal avant d'avoir conquis celui qui se tapit dans votre âme. Et que cette dernière ne peut être purifiée si elle n'est pas libre. Partez avec notre chant, gardez-le en mémoire et elle nous aidera peut-être, à condition de rester fidèle à ce que vous avez fait venir en ces lieux. Que se passe-t-il ? L'espace d'un instant, vous avez été baigné de lumière. Nous avons entendu de la musique qui ressemblait à celle de l'Élysée. J'ai une vision. J'étais à l'Élysée et les Azathas m'ont parlé. Ma parole, c'est un signe de destin elle-même. Elle a posé les yeux sur vous. Vous nous avez apporté votre aide et vous avez protégé Tal des Inquisiteurs, alors que ce n'était pas votre responsabilité. La déesse n'a pu reconnaître une âme aussi noble. La conclusion est peut-être hâtive, car Desna n'est pas la seule entité puissante à l'Élysée. Dans tous les cas, il est évident que cela ne vous est pas arrivé sans raison. Quelle chance de vous avoir rencontré, pas seulement parce que les Inquisiteurs seraient en train de me torturer, si vous n'aviez pas été là, mais aussi parce que vous m'avez aidé à surmonter mes doutes. Nous ne vous oublierons jamais, quoi qu'il arrive. Très bien. Ah, très bien. Donc nous allons avoir des voix supplémentaires, la voix de l'Azathin en plus de la voix du Pays de l'Ange. Alors vous savez, hein, il faut essayer d'avoir toutes les voix pour se donner toutes les possibilités. La seule voix que je ne prendrai pas, c'est celle du démon, parce que c'est la voix des méchants. Mais why not ? Moi je voulais faire les Azathas à la base, mais comme je ne sais pas comment ça se passe, on n'a pas été assez loin dans le jeu la première fois. Voilà, donc nous avons fini la place du marché. Alors, si on va ici, ça me prend une heure. Si je vais à la tour d'Estrode, ça me prend une heure. On ne montrera jamais de niveau à la tour d'Estrode. Allez hop, c'est parti. Là, il faudrait respect le perso pour pouvoir passer... Oh, cool.
merci. Allez, on entre dans la tour d'Estrade. J'aurais peut-être dû me reposer pour avoir mes sorts plus puissants et avoir tous mes sorts d'ailleurs. On va ressortir, on va se reposer. Juste pour avoir tous les sorts. Gestion du groupe, non. Accélérer le temps, non. Dormir, c'est là. Regardez-moi ce talent. Oh, attention, attention, attention. On risque de... 18 heures de sommeil quand même. Comment ça va? On n'a pas été trop... Il faut faire attention à cette barre. Hein. Parce que si elle est à fond, c'est la merde. C'est la merde. Si vous avez de plus en plus de chances de louper vos sorts, etc. etc. Mais bon, voilà. Alors. Bonjour. Kenabre est la proie en flamme. Cette ville qui n'aurait jamais dû tomber, le destin montre de décidément impitoyable. Qui êtes-vous, monsieur l'ange? Les nuages peuvent cacher les étoiles, mais rien ne peut masquer la lumière qui brille dans les tréfonds d'une âme. Je vois cette lumière en vous. Et vous êtes qui? Vous êtes des fantômes. Ghostbuster! Nous combattons le mal à vos côtés. Très bien. J'entends l'écho d'une voix familière, je sens la chaleur d'une flamme qui m'est chère. Nous vous aiderons, ma sœur. Très bien. Alors. Aspect angélique, très bien. Hop là, aspect de l'ange. Voilà. Donc on est plus fort. Alors. Prenez bien vos positions, s'il vous plaît. Hein, faites pas de la merde. Mais bon, vous allez quand même faire de la merde. Faxon, hey, stop! Vous êtes qui? Des croisés? Vous tombez bien. Je comptais justement ajouter quelques têtes de croisés à ma collection. Fichez le camp d'ici avant que je ne vous tue, vermine répugnante. Ah. Je peux vous tuer sur le champ, comme je peux vous accorder un bref sursis si vous répondez à mes questions. Quoi qu'il arrive, vous ne sortirez pas d'ici, alors pourquoi pas? Discutons puisque vous y tenez. Qui êtes-vous que vous avez fait? Vous n'avez pas une tête à travailler au musée. Je me nomme Faxon et je suis au service de Baphomet. Je suis le commandeur des Templiers du labyrinthe d'ivoire de la ville et le nouveau maître de cette tour. Je vous conseille donc de tenir votre langue si vous ne voulez pas que mes malédictions réduisent votre âme en cendres. Que faites-vous dans un musée? Cela fait 3 mois que cette tour nous sert de couverture à mes serviteurs et à moi. J'ai installé ma base dans les caves du musée pour faire entrer secrètement en ville un régiment entier de mes templiers. C'est un endroit idéal pour agir en toute discrétion. La charge du musée a été confiée à un vieillard sénile qui peine à se rappeler son propre nom. Nous avons ainsi planté un couteau dans le dos des croisés quand notre seigneur a attaqué Kenabre. Ce fut un glorieux combat. Le seigneur Xantir nous a maintenant ordonné de dépouiller Kenabre de tout ce qui est susceptible de l'intéresser et d'acheminer nos trouvailles hors de la ville. C'est un grand maître des arts occultes et magiques, et ce musée déborde de toutes sortes de reliques. Très bien. N'avez pas bonne mine, dites-moi, est-ce que vous savez que ces tatouages? J'ai mécontenté Dame Minago et elle m'a marqué avec cette rune qui me fait souffrir. Elle voulait que je prenne le contrôle des démons de notre allié Descari, que je remplace cet imbécile de Kilas, mais j'ai échoué. Heureusement, il semble que ma chance commence à tourner. Vous n'avez pas l'air d'être des croisés de bas étage. Sûrement pardonné si j'offrais vos têtes à Minago, et elle ne retirera cette marque sur le champ. Vous auriez dû vous enfuir. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du temple, on a du cambion, du templier, de l'archer, du faxon, du templier, du drecht. Ok, alors. Notre archer, bah go. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Pas grand-chose à faire. Alors. Ah, il y en a un, là. J'avais pas vu ce petit con, là. Hop là. Rien. Ok, alors. Yuki. Prête à balancer tous les sorts qu'elle a. Hop là. Alors, on va mettre nos mages bien en tas.
Évidemment, le paladin était au fond, hein, parce que le jeu même. Hop là. On va balancer. Évidemment, le moine tout seul. J'avais ma souris là-bas. Mais c'est pas grave. Alors. Bravo, tu devais faire 2 pour toucher, t'as fait 1. Bravo à toi. J'apprécie des fois le... Alors, il a touché, il a fait combien? 0 dégâts. Bravo à toi, mon ami. Voilà. Voilà, très bien. Hop là, on va s'avancer un peu. Attention. Un démon s'avance. Les démons s'avancent. Attention quand même à ce qu'on fait. Alors... Petite boule de neige. Bravo. T'as loupé. Allez. Attendez, j'arrive. Mais... J'appuie. On entend bien le perso qui va se déplacer. Et derrière, il se déplace pas. J'aime bien. J'adore. Je vais pas du tout perdre 5 tours avec mon paladin. Je suis joie. Ou pas. Yeah, touché. Ok, toi tu vas tirer dans... Voilà. Très bien. Bah écoute, on va taper ça. Hein. Ok. Bah écoute. Boum, voilà. Petite boule de neige. Et deux fois que tu loupes quoi. Tu touches sur du 9, hein. Bon, là, je peux avancer jusque là-bas. Voilà. Très bien. J'ai pas noté que j'allais avoir une attaque d'opportunité, mais c'est pas grave. Hop là. Elle l'a mis à terre. Très bien. Alors. Tac, tac, tac. Voilà. Moi je dis on va tuer tous ces fanatiques. Hein. Ok. Très bien. Voilà. Donc là il va se relever, tout le monde le tape. Nickel. Bon, est-ce que tu vas finir par toucher? Bravo, tu as touché. Voilà. Aïe! M'a mis une tatane, salaud! Voilà! Alors, bon, on va avancer sur l'archer. Hein. Mmh, t'es bien? Tu sais pas viser. Alors, mon petit archer. Loupé. Ah là là, petit archer fanatec! Ah ouais, boule de feu quoi, carrément, le monsieur il en est là. Il en est à nous balancer des boules de feu. Voilà. Moi je te balance des boules de glace, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Bravo. Allez. Très bien. Hop. Voilà, 3 petites attaques, tu tombes à terre. Moi j'aime ça. Pourquoi je pourrais pas faire mon sort de soin? Parce que l'ordi a encore décidé que j'avais pas le droit. Tabassez-le pendant qu'il est à terre. Ça lui fera du bien. Voilà. Ouais. Mmh. C'est bien ce que tu fais. Mais voilà, t'es mort. C'est un peu con quand même. Allez hop. Rends-toi, archer fanatique. Nous allons te tuer. Tu te rends toujours pas. Bien, 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 bien. Bah meurs. C'est un demi-orc, d'accord. Eh ben meurs le demi-orc, voilà. Remeurs, re-remeurs et remeurs. Voilà. On sait que les demi-orcs ne meurent pas quand ils ont plus de PV. Hein. Voilà. Par contre, quand on les met en mort-mort, et ben, ils meurent. Et ouais, c'est comme ça.
Ok, alors, tout le monde ici. Soin. Ben voilà. Alors, par contre, pourquoi elle met à terre Aenael? Elle a un... J'ai pas lu du tout ce qu'elle avait. Aspect de l'ange, oui. Ça, on sait. Oui, bon, ça, c'est tapé. Classe. Alors, développe une immunité à toutes les maladies et... Bon, voilà. Donc, elle peut plus tomber malade. Au niveau 5, par une action libre, le maître des bâtons peut utiliser sa première attaque comme déluge de coups pour tenter un croc en jambe. D'accord. Donc, c'est sa première attaque fait croc en jambe. D'accord. Ben voilà. Banni par un maître des bâtons inflige autant de dégâts qu'une arme de catégorie plus grande, d'accord. Bon bah voilà, elle fait des crocs en jambes maintenant tout le temps. Tellement pété. Tellement pété. Ah oui, on pouvait faire tomber ça. Sur eux. Bon, on l'a pas. Voilà, on l'a pas fait. Attention, un piège. Un piège. Doit être fait. Quel talent. Alors, on va quand même tout explorer. Parce qu'il me semble qu'il y a des trucs à piller ici. Si je dis pas de conneries. C'est peut-être de ce côté-là. Voilà, je savais bien qu'il y a des trucs à piller. Voilà, un petit bouclier. Moi, ça me va. À dire que c'est le scolopendre qui a le plus d'athlétisme du groupe. Bravo. Ça a touché un perso. Pas très grave. Ok. Bon, bah c'est tout ce qu'il y avait à faire. Ok. Bon. Yuki, on a besoin de tes soins. Parce que le scolopendre, il a balancé une pilasse sur la tête du perso principal de cette histoire. C'est pas très très grave. Ok. Qu'est-ce qu'on a chopé? Ah oui, cette tâche plus 1 dont tout le monde s'en fout. Une masse d'armes de feu. Ouais, mais tout ça, ça va être vendu de toute façon. On le sait. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.